mais c'est précisément parce que notre époque est incertaine qu'on peut dire que l'espérance en la poésie est devenue plus grande. La poésie, dont la raison d'être est de retrouver la source même des mots, n'a pas de plus forte raison de ressusciter qu'aux époques les plus troubles. Même chez soi, la vie part à la dérive, et sur les vagues nous flottons sans savoir où nous allons. Ce pin solitaire, combien de siècles a-t-il vécu? Le vent qu'on y entend est si pur qu'il suggère la profondeur du temps. Ce monde tel qu'il est, à quoi peut-il se comparer? À des barques à l'aube qui s'en vont laissant leurs traces dans les vagues blanches. Les coloris des fleurs ont bel et bien passé. En pure perte, ma vie coule en ce monde dans le temps d'une longue averse. Ô fleurs de cerisier, tombées en obscures nuées, au point que la vieillesse en perde son chemin. La brume du soir se noue au fond de mon cœur, et l'automne, comme moi, s'avance vers l'hiver. S'évanouit pour renaître l'écume qui joue sur les rochers, retenue un instant dans la débâcle de la glace. Sentiment incongru que de chercher à tâtons son chemin dans la bourrasque, en s'efforçant d'imaginer les beautés qu'elle vous dérobe. Vapeur printanière, que fais-je d'autre sinon vivre au bord d'une tombe? Nous marchons en ce monde, sur le toit de l'enfer, en regardant les fleurs. Promenade au jardin comme pour s'emparer de l'année qui s'en va. Combien de noms, de fleuves faudra-t-il franchir pour ce pays où finit la tristesse? Aujourd'hui encore, partons. C'est bien triste l'instant où l'on se dit lassé de ce monde paisible où rien n'arrive. Comme un papillon percé par une aiguille qui se tord de douleur en voulant s'envoler.